Bonsoir à tous mes frères sénégalais. Tout d'abord, je voudrais faire mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un enfant, un proche durant ces terribles émeutes qui se déroulent en ce moment au Sénégal. La situation est très très grave. Personnellement, je suis choqué et sincèrement touché. Pour la simple raison, j'ai déjà fait plusieurs vidéos de ce genre pour d'autres pays, notamment récemment pour le Nigeria, mais j'aurais jamais imaginé devoir faire ce message de soutien pour le Sénégal. Car le Sénégalais est une personne joyeuse, festive, respectueuse, bien éduquée. Donc de voir ces images, c'est très choquant. Et je condamne tous ces actes de barbarie. Mais je suis quelqu'un qui a on me connaît pour mon franc-parler. C'est facile de parler comme ça derrière ma vidéo, car je ne suis pas au Sénégal en ce moment, je ne vis pas au Sénégal, mais mon père vit au Sénégal, ma mère vit au Sénégal, mon frère Pierrot est au Sénégal, ma sœur docteur Marie-Louise est au Sénégal. Donc, je m'informe parce qu'il y a plusieurs personnes, dès qu'il se passe quelque chose, qu'ils voient dans les news, tout de suite, hashtag prêt pour Sénégal. Puis, pour, non, il faut arrêter tout ce bazar. Je ne sais pas cette personne qui a créé cet hashtag. Mais en fait, on banalise tout. Maintenant, quand il se passe quelque chose dans le monde, ben on poste un hashtag et voilà, on passe une bonne journée maintenant. Je suis touché quand c'est un autre pays, mais je suis autant plus touché quand c'est le Sénégal. Et je pense que voilà, si les gens commencent à piller les magasins, etc. pour de la nourriture, c'est que les gens souffrent et en ont marre. Et en ont marre de cette peut-être, car je ne suis pas un politicien, je suis un simple Sénégalais, à cette corruption, peut-être aussi cette dictature, parce que les gens souffrent. Je condamne ces actes de barbares, mais il va falloir donner des réponses au peuple, et je serai toujours derrière le peuple, car j'ai toujours été comme ça. Donc voilà, président Macky Sall, j'espère que vous allez réinstaurer de l'ordre dans mon pays, car l'image qu'on est en train de donner en ce moment au monde entier est terrible. Et les sorties catastrophiques côté de la presse sénégalaise, du gouvernement, ont remis de l'huile sur le feu. Ça n'a apaisé personne. Et ce qui va se passer encore, les gens vont aller protester dehors. Confrontement avec les forces de l'ordre, on va encore perdre des frères. Donc il va falloir arrêter cette guerre avant qu'elle aille plus loin. Donc il y a aussi le député Ousmane Sonko qui est détenu pour des charges très très graves de viol, mais sont-elles vraiment fondées? Je pense que le peuple sénégalais crie au complot et je pense pour ça il y a cette rage et toute cette haine. Donc peut-être que le peuple et moi-même on a tort de penser à un complot, mais j'espère que demain Ousmane Sonko sera libéré et toute la Casamance et tous les Sénégalais le soutiennent. Car même si on n'a pas encore les faits, et on peut, mais on crie quand même au complot. Donc ça devient très difficile, Monsieur le Président, et très urgent de trouver une solution le plus rapidement avant qu'on continue à perdre plusieurs vies. Et je pense que voilà, la nouvelle génération en a marre. La nouvelle génération soutient Ousmane Sonko. Il a été arrêté illégalement. C'est un député. Il a reçu une convocation. Il n'a pas voulu y aller. Car en tant que député, il n'a pas besoin de se présenter. Maintenant, en une semaine, tous les droits qu'il a en tant que député, je perds mon français, on lui a retiré comme ça. Le pays n'est pas dû. Et à l'arrivée, il a voulu y aller avec sa famille, se présenter au tribunal, mais non, on l'arrête illégalement. Et vous posez des questions, pourquoi le peuple est en rage, est en feu? Donc, Monsieur le Président, je vous demande, je vous supplie de libérer cet homme. Si vous voulez déjà que dans le pays, ça s'apaise. Parce que voilà, on n'est pas des politiciens, mais c'est un complot. C'est quelqu'un qui arrive, qui a posé sa candidature, qui est arrivé troisième, je pense, en 2019. Donc, c'est un sérieux candidat. Et ça va être difficile de prouver aux gens que ce n'est pas un complot. Donc, commençons par libérer Ousmane Sonko.
et retrouver une vraie image du Sénégal, une belle image du Sénégal. Donc je vous en supplie aussi, continuez à protester, mais intelligemment. Donnez pas raison à ces personnes. Ne cassez pas les magasins. Et je dis, c'est facile de parler pour moi car je ne suis pas au Sénégal. Mais essayez de contenir cette rage, cette haine avec des mots. Et aussi, toutes ces personnes qui sont influentes, qui se disent sénégalaises, etc., il est temps aussi de prendre parole et de ne pas mettre ces hashtags à deux balles. Il faut dire ce qu'on pense. Moi, quand je parle avec mon cœur. Je ne prépare pas un discours. Voilà, ça vient du cœur. Donc, je suis derrière vous, tous les Sénégalais, et j'espère qu'on va trouver une solution. Donc, on compte sur vous, président Macky Sall. Voilà. À bientôt.